Ce masque, c'est vraiment quelque chose de très étonnant parce qu'au début, on ne sent pas grand-chose, mais dès que ça commence à un peu s'animer, là, ça devient vraiment très très difficile. Et j'ai cru, surtout quand j'ai dû monter la citadelle, là, que j'allais mourir, quoi. C'était vraiment. Ça te dérange? Ça me dérange, mais moins que les personnes qui ont la myco, hein. Sauf que pour manger. Quelqu'un qui a la mucoviscidose, il a ça tout le temps. Moi, je l'ai porté quelques heures, ce masque, donc c'est complètement ridicule par rapport à ce qu'ils sentent. Ce qui est certain, c'est que en plus, ce masque, c'est uniquement le nez, donc finalement, tout le reste du corps est quand même pas obéré par le masque. Bref, j'ai un immense respect pour ces gens, encore plus aujourd'hui. Même en étant assis, ce problème de respiration, ça empêche complètement de se concentrer. Je ne m'étais pas du tout rendu compte de ça. %, c'est très peu. Je l'ai ressenti et j'ai pas tellement envie de le ressentir. Je vais d'ailleurs retirer le masque, mais continuer à penser à ceux qui doivent subir ça tout le temps.